Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans l'épisode 2 de Transistor. La dernière fois, nous avons pris une épée clé USB, qui s'appelle Transistor apparemment. On l'a trouvée sur un cadavre. Apparemment, on était une actrice ou alors une chanteuse, plutôt une chanteuse, oui. Et apparemment, on a perdu notre voix pour une raison qui m'échappe. Sûrement à cause des méchants process et tout ça, il y a des espèces de plein de choses informatiques. Genre on a des fonctions comme attaque, genre crash, hop, attendez, voilà, on sélectionne comme ça, ça c'est crash, ça c'est breach, et ça s'appelle, et c'est des fonctions, hein, breach, entre parenthèses, et il y en a d'autres. Bref, je m'étais arrêté ici, après avoir commandé un repas. Donc c'est parti, je continue direct. On a de la compagnie. Bon, ça c'est pas un problème, je pense que je peux les tuer comme ça. On a vu aussi qu'il y avait un système de tour par tour. Donc comme ceci. Par contre, je me rappelais plus qu'on pouvait faire des combos, donc on va faire ça. Puis si on refait ça. Ok, c'est combo. Et puis c'est tout. C'est un peu chaud quand même. Hein. Alors attends toi. Est-ce que Spark, je peux te le faire? Oui. Après si je te fais ça. Puis j'arrive. Puis je te fais ça. Ou alors je refais un breach. Si je refais un breach comme ça. Là ça prend tout. Bon, un crash alors. Bon, c'est parti. Donc, le truc, c'est que ces trucs-là soignent, apparemment. Donc, on va prendre ça, ça nous régénère de la vie. Non, non, je vais prendre ça. J'avoue, j'ai pas encore très bien saisi tous les mécaniques. Je suis pas assez rapide, par exemple. Je dois absolument détruire ça. Par contre, alors toi, hop, ça, ça suffit. C'est parti. J'espère que vous entendez bien. Le son est pas très fort. Mais normalement ça devrait suffire. Alors on a deux nouvelles fonctions. Alors il y a load, génère un paquet explosif, frappez-le pour produire une explosion plus importante. D'accord, en gros ça met une bombe et faut que je la frappe direct après. Et en fonction secondaire, donc si je le mets pas en emplacement actif, en fait apparemment en emplacement man, d'après ce que j'ai compris en revoyant quelques passages de ma vidéo précédente. C'est que, je sais pas si vous avez vu, il y a des effets actifs comme ça. Et en trois, en bas, il y a trois petits carrés. À mon avis, c'est ça, les emplacements man. Augmente la zone d'effet de la plupart de fonctions. D'accord, ok. Et ça, switch. Modifie l'allégeance d'une cible qui sert alors l'utilisateur. Oh, d'accord, c'est une espèce de nécromancie. Une espèce de contrôle mental, plutôt. Et emplacement man intègre une sous-routine de modification d'allégeance à la plupart des fonctions. D'accord, bon, écoutez, je vais prendre Switch, ça m'a l'air intéressant. Contrôler les ennemis, moi je dis oui. Point d'accès, on y va. Ça serait bien sur Breach. Ça c'est un emplacement actif. Donc attends, examiner fonction. Mise à niveau. Switch plus breach. Switch traverse les cibles et sa portée maximale augmente. Ah d'accord.
Ok, d'accord. Donc là, ça donne toutes les possibilités. D'accord. Écoutez, je vais tester, sélectionner. Je peux pas le mettre là. Ouais, je vais le mettre là. Ouais, ça augmente juste la portée. Allez, installer man. Retour. Fonctions inutilisées disponibles. Bah non, elles sont toutes utilisées, non? Oui. Prête pour un peu d'action. Nombre d'accès, 16 millions. Qu'est-ce que c'est ça? Aucune idée. Je sens qu'on va avoir un méga boss là, c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop grand comme endroit. Alors B de Goldwalk. Approcher potable, faux. D'accord, donc on regarde juste l'espèce de petit étang, très bien. Oula. Alors Breach. Est-ce que je peux t'avoir, toi? Attends. Tac. Non, attendez, il est protégé. Ok, d'accord. Non, non, c'est pas bon ça. Bon, écoutez, on va faire ça. Ça n'a pas fonctionné. J'adore rien comprendre, c'est magnifique. Ok. Alors j'utilise un petit peu tout le temps la même attaque, mais je sais pas à quoi peuvent servir les autres en fait. Attendez, 4. On va se fondre dans la masse. Là il me voit plus donc. Hein. Donc là si je fais un petit breach. Impossible de blesser les alliés. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, ok, mais oui, mais en fait, d'accord, en fait quand je touche avec ça, ça devient nos alliés. Maintenant j'ai compris, d'accord. Donc c'est pour ça que impossible de baisser les alliés. Ok, donc on va le toucher une fois. Hop, c'est notre allié. Lui aussi on va le toucher une fois. Ouais, c'est notre allié. Hein. Voilà. Ils se fightent entre eux maintenant. Non, non, attends. Toi va te tuer. Allez, tuez-vous entre vous, s'il vous plaît. Voilà. Bon, malheureusement, ça dure pas si longtemps que ça. Allez, on va les tuer tous les deux en même temps. Voilà. C'est réglé. Bon. On comprend toujours rien à l'histoire. Enfin bon, c'est pas grave. Donc une petite sauvegarde. Donc les fonctions, bon. Est-ce que par exemple je peux ajouter ça? Attendez, je fais supprimer, puis je fais sélectionner, et que je mets... Ah, je peux pas. D'accord, je peux pas. Donc, je pense en fait que le switch me sert à rien avec le Sparks. Avec, pas le Sparks, le Breach. Donc, écoutez, je vais mettre le Spark avec le Breach.
comme ceci. Allez, je l'installe. Voilà. Par contre, le switch, on va le mettre avec avec le... C'est le crash, hein. Ouais, c'est ça. Avec le crash, voilà. Donc là, c'est la mémoire, c'est mes emplacements disponibles. Et ça, bah écoutez, sélectionner. Bon, je ne peux rien faire apparemment. Petit coup de lag, attention, enfin petit coup de ramage. Voilà, apparemment c'est un petit peu revenu. Nous y voilà où? Chez elle? Ouais, donc il y a plein d'affiches d'elle, apparemment elle était assez connue dans cette ville. Enfin, d'après ce que je peux deviner. Il n'y a plus personne. À part lui. Alors, 2 secondes. On va faire ça. Protéger. Pourquoi il est protégé? Allez, on le fait. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est puissant quand même. Il y a trois breaches qui se mettent. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, non, non, ça fait rien. Si on fait ça, puis ça. Puis ça. Ah oui, mais du coup, ça fait plus que 50 de dégâts. Ouais. Attendez, hop, je disparais. J'ai pas fait l'espace en fait. C'est parti. Stop, stop. Ça disparaît, ça sert à rien. D'accord, en fait c'est un genre de boss. On refait la même. Ah ok, c'est Young Lady 1. Faut détruire absolument ça. Donc ça, hop. Hop. Voilà. Donc, faut absolument détruire ça. Puis un petit coup à là. C'est assez chaud quand même, faut bien tout prendre en compte. Donc voilà, je nettoie un petit peu les trucs qui soignent. Ouh là là. Mais ils réapparaissent ou quoi? Donc apparemment ils réapparaissent pas. Tant mieux. Alors toi, on va pouvoir t'achever quand même. Bientôt. Non, non, non. Ok, donc on va faire ça. Ça. Ouais, je vais pas tenir si ça continue. Allez, allez, recharge-toi. Donc 2. Bon, ça marchera pas. Ah, Yon, t'es revenu.
Allez, c'est parti. Oh là 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 là, je vais crever. Non, non, pas yont. On va faire le breach. Faudrait qu'il touche les deux. Non, c'est pas possible. Non. Ah, il peut pas. Hein. Ouh là 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 là. Fonction de turn d'urgence activée. Bah t'es marrant. Donc on va faire ça. Puis ça. Et je vois rien donc. Un petit yaunt par là. Ah je ne peux pas. Très bien. Donc, toi, ça, plus ça. Fonction de turn d'urgence activée encore une fois. Ah, c'est bon, elle est morte. Mais moi aussi bientôt. Alors non, attendez. Hop. On va faire ça, ça, ça. Je vais finir par crever, hein. Donc toi, toi, et hors de portée. Bon, ça sert à rien de gaspiller, alors on va faire le 4 à la fin, et c'est parti. Enfin, le 4, c'est le masque. On va disparaître un petit coup. Ok. Alors, on va faire... Non, non. Pas Yant. On va faire le 2. Ça, ça et ça. Allez, recharge-toi, s'il te plaît. Voilà. Oula, non, non, non. Ah, je m'étais fait toucher avant. Breach perdu. Mince. Mince, mince. J'ai perdu Breach. Alors, est-ce que je peux le réactiver de là? Saturation réparée dans un point d'accès. Ok. Ben c'est chiant. Ouais d'accord. Alors écoutez, on va faire... Attendez, supprimer, on va sélectionner. Installer man. Ah non mais c'est... D'accord, j'avais déjà mis en fait sur... Donc oui. Ils ont oublié d'éteindre la lumière. J'espère qu'il y a une vraie histoire, c'est pas juste du tour par tour comme ça contre des robots. Un terminal. Incident à l'Umpty-Set, à la une, la célèbre scène en plein air de Goldwalk a été évacuée. Très bien. Alors la nuit dernière, vers 1h17, après les concerts programmés, l'OVC a reçu plusieurs rapports indépendants indiquant une activité suspecte dans la célèbre salle de concert. Les autorités signalent au moins 2 blessés graves, incluant potentiellement Red, la tête d'affiche. Plus d'infos à venir. Ok. Donc on s'appelle Red apparemment. Donc oui, on... Alors j'essaie toujours de comprendre pourquoi. Je suis toujours là, ne vous inquiétez pas. Signé Red.
D'accord, donc non, mais depuis le début on sait qu'on s'appelle Red, mais bon. Ça le confirme, on va dire. Continuons à chercher. À chercher quoi? On ne sait pas. Matériel de promotion. Donc on est vraiment très célèbre apparemment. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Alors l'empty set et un point d'accès. Ah! On va peut-être récupérer le breach. Sélectionner. Je crois que c'est à fond. Installation impossible, emplacement plein. Comment ça? Si on supprime Yount et qu'on sélectionne lui, on ne peut pas. Pourquoi? Mystère. Pourquoi c'est plein? Bon, au moins réactiver lui. Ah d'accord, ok. Ouais, non, c'est mal fait quand même. Faut sélectionner l'emplacement d'abord là, puis installer. Enfin, c'était déjà à cet emplacement, donc pourquoi ça l'a pas mis directement? Je ne sais pas. En tout cas, on va remettre Sparks sur Breach. Voilà. En espérant ne pas le reperdre. Donc, confirmer. Ah, je peux mettre une fonction en plus. On va quand même activer le dash là, le yount. Terminal de l'OVC. À l'affiche le mois prochain, l'heure du dernier round a sonné pour la tête d'affiche du mois prochain dans la salle la plus populaire de Cloud Bank. L'heure du dernier round. Il s'agit de la sensationnelle raid contre le groupe le plus chaud de la ville. Facsimile, qui l'emportera, à vous de décider. Raid. Merci d'avoir voté. Donc 88% pour raid, très bien. Pas trop encore une fois, mais bon. Petit ralentissement, vous en faites pas, ça va revenir. Donc attendez, je pouvais aller à un autre endroit vite fait tout à l'heure. Je vais regarder ça. C'est très chiant ces ralentissements en tout cas. Ouais. Ah ben non, sinon je suis allé à cet endroit justement. Bon bref. Allez, continuons. Beaucoup de lumière. Quand je t'ai vu pour la première fois sur cette scène. Ah, donc on était là. Tout le monde t'adorait. Maintenez tab pour fredonner. La nuit dernière. Oh.
Ok. Donc apparemment, quelqu'un a essayé de nous attaquer avec cette espèce de clé USB. Et quelqu'un s'est interposé, c'est l'homme qui était au début. Et on revit un petit peu cette situation. Donc imaginez un pont vers Fairview. Pétition. Accessible uniquement par voie aérienne ou maritime, la plus belle et la plus paisible des destinations de Cloudbank mérite d'être découverte par tous. Avec un soutien suffisant, cette pétition permettra la création d'un pont piétonnier reliant le secteur nord-ouest de la ville à l'île de Fairview. Fairview et ses promenades sur le front de mer seront alors à la portée de tous. Le trafic, piétons et petits véhicules motorisés, aura sans doute un impact minime sur le commerce local. Signer la pétition. Allez, on signe la pétition. Ouais, bon, pour le peu que ça va changer. Donc, le transistor, l'épée, apparemment, est super inquiète. On va aller voir ça. Donc, ouais, on revient au début, c'est ça. Bah, si, t'as envie. Ah oui, on nous a volé notre voix, c'est bien ça. Raised, attends, raise S, infecté par le process à 98%. Caractère méticuleux. Donc on va avoir une autre fonction. Oula! Hey! Non, on est hors de portée pour ça. On va faire ça. Plus un crash. Alors, elle est immunisée apparemment contre. Puis on va faire ça. Et on fait un petit dash vers là-bas. Voilà. Non, non, pas ça. Je pense qu'on va, on va bourrer. On va bourrer le bridge. Oula. Alors c'est reparti, on va faire ça. Alors je peux toujours dasher apparemment dans cette forme. Bon, c'est pas vraiment un dash, c'est plutôt une attaque. Bon, allez, on va l'achever. Comment ça, elle est back? Ok. Donc on va faire deux comme ça, là, puis on va se barrer, hein. Aïe aïe aïe. Hop. Allez, on va tuer ces deux espèces de vers de terre. Puis, bah écoutez, on va dasher. On va toujours dasher. Allez, un. Non, non, pas ça, pas ça. Un, deux. Invisibilité peut-être.
On continue. 1, 2. Attends, j'ai pas assez de portée là. On va faire ça, ça. Puis un petit dash. Et encore un autre. Nous vous tenions, qu'elle nous dit. Je sais pas ce qui s'est passé, mais. Mais tu vas manger. Tiens, tiens. Dash, dash. Un, deux. Invisibilité. Donc là, c'est plus où je suis. Elle se régénère. Oh là, non, 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 non. Elle se régénère à quoi? Voilà. Allez, c'est l'heure de mourir. Quoi? C'est une blague. Ils veulent qu'on meure ou quoi? Bon. Non, pas ça. Alors, ce qu'on va faire. Toi, on va te tuer. Puis toi. Puis toi là-bas, mais ça sert à rien. Donc on va, hop, on va économiser de la barre d'endurance en haut. Oula. Alors, 1, 2, puis Yaunt et Yaunt encore. Ok, c'est parti pour attaquer, on va faire 1, 2, puis le Yant et Yant. On va la voir. Alors, 1, 2, invisibilité. Pareil, 1, 2, Yaunt, Yaunt. J'attends qu'elle attaque, hein. Voilà, hop. Puis Yaunt, Yaunt. Donc la moitié de sa vie à peu près. Hop, là on peut faire 1, 2, puis invisibilité. Puis là. Donc c'est un petit peu le même pattern hein, que je fais. Yaunt, yaunt. Au moins j'ai trouvé un pattern. Ouais, attendez, je vais attendre un petit peu. Voilà. 1, 2, invisibilité.
Puis 1, 2, yaunt, yaunt. Bon, elle dit des trucs, mais je comprends pas pourquoi elle dit ça, donc je me concentre pas sur les dialogues, je vous avoue. Non, pas ça, pas ça. Bridge, bridge, yaunt, yaunt. Allez, plus qu'un coup. Allez, cette fois-ci tu meurs, hein, s'il te plaît. Non, attends. Pourquoi elle meurt pas là? Attendez, on va te mettre invisible au cas où. Je vous ai sauvé, j'ai toujours voulu. Bon, est-ce qu'elle est vraiment morte? C'est fini pour elle. Ah, voilà. Merci. Ah, faut que je l'achève peut-être. Ah, donc on prend son process. Process supprimé. Rebonjour Sybille. Ok, niveau 4. Donc j'ai gagné Help. Invoquez un allié pour vous prêter main forte. Très bien. Donc on aura un allié. Plus sélectionner autorisation étape 2 sur 2. Identificateur. Dévoile les portes dérobées cachées dans Cloudbank. Très bien. Donc c'est un truc passif ça? Je suppose. Alors on a notre piste. Alors je vais arrêter l'épisode. Hein. Mais je veux sauvegarder avant, quand même. Où elle est? Donc là on s'est battu sur la scène, mais j'ai envie de savoir où elle est maintenant. Est-ce que c'est par là? Ah, scène de crime affectée par le process. D'accord. Il n'y a plus rien à voir par là. Mais je vais où alors, monsieur? Monsieur la clé USB. Où vais-je? Parce que moi j'aurais bien dit par là, mais... Est-ce que c'est par là? Ah. Il y a une espèce de pont. Ok, bon. Voilà, l'épisode 2 est terminé. On a pas mal de fonctions. Les boss sont en 3 phases apparemment. Bon bref, j'espère que cet épisode 2 vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut.